Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Dis. Quoi? Les causes. Qu'est-ce qu'il faut dire? Dis-leur quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose, je sais. On devait faire juste, bah, on devait s'arrêter à nos deux dates qu'on avait jouées. Ouais, moi l'année. J'ai embrassé la scène, tout j'ai dit bye. C'est vrai, je me après rappelle. Après je reviens, hé, hey, correct. C'est vrai, je me rappelle, Cyril avait embrassé la scène, dit, hé, hey, ta dernière fois on joue ça. Et finalement on s'est dit, hé, hey, on rejoue encore. On refait, surtout que dans Hot Center, nous a soutenu, nous a dit, hé, hey, refaites. Du coup on a dit, hé, hey, okay. Donc le 7 mars, à 19h30, heure locale. Mais ici même au Codan Orsateur. On dit 19h à tout le monde parce qu'il y aura retard. Mauricienne, voilà. Oui. Il y aura trafic, tout ça. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas élection, heureusement. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a voulu une vidéo. Et tac, 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 tac. Le spectacle Ilsam, d'abord, c'est un divertissement. Pour tout le monde. Il y a plein de personnes qui n'ont pas eu l'occasion de voir et qui ont envie de voir ce spectacle. Et voilà, et c'est pour ça qu'on revient ici encore une fois au Codan Art Center pour présenter ce divertissement qui, à mon avis, va juste susciter l'engouement général. Voilà. C'est vraiment l'occasion pour le public de venir découvrir ces deux artistes, mais vraiment avec énormément de talent, et découvrir aussi une équipe avec énormément de talent, où chacun s'exprime, où chacun prend du plaisir. Et pour moi, Ilsam, c'est vraiment la comédie de l'année qu'il faut voir absolument. Vous pouvez prendre le métro, métro station, extra, extra top. Génial, on se voit le 7 là, hein? Ah, le 7. Radio 1 sur le www.ra.mu.